Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui n'auraient pas vu mes premières vidéos, je m'appelle Maureen et sur ma chaîne on parle de livres, surtout de livres, mais pas que. Je poste une vidéo tous les dimanches, une semaine sur deux c'est un vlog, une semaine sur deux c'est un autre genre de vidéo. En tout cas pour l'instant je vais fonctionner comme ça. Alors pour ceux qui auraient déjà vu mes premières vidéos, si c'est pas le cas je vous invite à aller les voir. Vous savez déjà que j'adore les classiques de la littérature. Et je sais, parce que justement j'en ai lu, que parfois ces livres peuvent être assez intimidants et qu'on peut vraiment se demander par où commencer et avoir vraiment peur de rien comprendre quand on les ouvre. Et donc je me suis dit que j'allais créer une petite série dont cette vidéo sera la première. Pour vous aider justement à entrer dans la littérature classique et dans l'œuvre de certains auteurs qui pourraient être intimidants pour vous. J'ai appelé cette série Clé de lecture, bon c'est assez transparent comme titre. Donc voilà, il y aura une vidéo comme ça, j'espère une fois par mois, peut-être une fois tous les deux mois ou toutes les six semaines, on verra. Elles vont prendre un peu beaucoup de temps à faire je pense parce qu'elles vont demander pas mal de recherches et de planification, d'organisation, de ce que je vais dire, etc. Il va falloir que je réfléchisse pas mal à ce que je vais vous dire dans ces vidéos, donc voilà, elles seront un peu moins fréquentes parce qu'elles vont me prendre beaucoup de temps à préparer. Mais bref, donc aujourd'hui je voulais commencer par une vidéo générale sur comment se mettre à lire des classiques, comment se lancer dans la littérature de classiques et vous donner des conseils qui peuvent s'appliquer à vraiment n'importe quel livre de littérature classique. Donc voilà, si jamais vous êtes au lycée et, ou au collège même et que vous avez des classiques à lire mais que vous avez peur de rien comprendre ou juste que vous dites que c'est trop long et que vous n'arriverez jamais à lire ce livre... ou que vous n'avez pas assez de culture générale pour comprendre les références à d'autres textes ou à d'autres œuvres d'art, etc. Bah cette vidéo est pour vous et puis cette série tout entière est pour vous en fait. Et voilà, mon but dans ces vidéos c'est vraiment de vous aider à vous enlever cette peur que vous pouvez avoir face aux classiques parce que c'est des livres qui ont l'air compliqués mais en fait qui sont surtout des trésors et qui sont vraiment géniaux. Donc voilà, c'est vrai qu'ils reviennent un peu à la mode ces derniers temps, surtout, enfin j'ai vu beaucoup de gens lire plus de classiques sur YouTube cette année, notamment grâce à la chaîne d'Emma j'imagine. Mais voilà, on recommence à lire Dickens, on se replonge dans les classiques de la littérature russe. Alors ça j'y ai pas trop touché encore, ça viendra sûrement, j'ai prévu de lire un livre en particulier au début de l'année prochaine de littérature russe. On recommence à lire les classiques, mais c'est pas parce qu'on voit un booktuber lire Le Comte de Monte Cristo ou une booktubeuse lire, je sais pas moi, David Copperfield, qu'on se dit qu'on peut aussi y arriver et que ça ne nous fait pas peur de les lire nous-mêmes. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo pour vous donner des conseils. En espérant que ça vous aide. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions plus précises, que ce soit déjà des questions sur une œuvre, je sais pas par exemple si vous avez une œuvre au bac que vraiment vous avez du mal à comprendre et si vous avez une ou deux questions précises, posez-les dans les commentaires. Si j'ai lu cette œuvre, j'y répondrai avec plaisir. J'espère que cette vidéo vous aidera et que vous aimerez cette série. Allez, c'est parti! Alors le premier conseil que je veux vous donner pour faciliter la lecture des classiques, c'est d'identifier ce qui vous fait peur dans la lecture des classiques et ce avec quoi vous avez du mal, quel que soit le livre que vous lisez. Ça peut être par exemple des difficultés au niveau du vocabulaire, parce que lire, je sais pas moi, Montaigne ou La Fontaine, c'est pas comme lire Percy Jackson. Il y a des mots de vocabulaire qui sont anciens et qui sont inusités aujourd'hui, qu'on n'utilise plus, ou bien qui ont complètement changé de sens. Ça peut être un des problèmes qu'on rencontre quand on ouvre un livre de littérature classique, le vocabulaire, mais je sais pas, peut-être que vous avez plus de mal avec l'idée de lire un livre long et d'investir beaucoup de temps ou surtout de maintenir un effort constant de lecture sur 1000 pages, ou bien peut-être que vous avez peur de pas réussir à comprendre le lien entre les autres œuvres évoquées dans le livre et le livre en question, ou les phénomènes d'intertextualité qui sont implicites. Ça c'est quand par exemple un auteur fait référence à un autre livre en faisant une citation cachée ou ce genre de choses. Donc voilà, il y a plein de difficultés qu'on peut rencontrer quand on lit des classiques, et réussir à identifier
la sienne, bah ça peut vraiment aider à focaliser son attention sur un problème et à trouver des solutions précises pour résoudre tel ou tel problème. Donc si vous voulez, je peux faire une vidéo pour chacun de ces problèmes, que ce soit le vocabulaire, l'intertextuel, pour vous donner des tips, des conseils. En fait, de toute façon, lire des classiques, c'est comme apprendre une langue. Ça vient en lisant, ça vient en s'entraînant, en apprenant du vocabulaire. Et plus on lit des œuvres, plus on voit les références qui sont faites dedans. Donc voilà, faut vous dire que lire des classiques, c'est comme apprendre une langue. Ça vaut tellement le coup de lire des classiques, même si ça peut faire peur. Regardez, si Madeleine Miller n'avait jamais lu l'Iliade, elle aurait jamais écrit le chant d'Achille non plus. On aurait jamais pu lire ce masterpiece. On n'a pas besoin de savoir, je sais pas moi, l'histoire de comment on a retrouvé le site de Troie, ou tous les débats sur l'existence ou non d'Homère, sur son identité, ou de connaître tout simplement, je sais pas moi, toutes les significations allégoriques de tel ou tel dieu du Panthéon pour pouvoir lire l'Iliade. On peut approcher d'abord le livre d'une manière assez neutre et d'une manière assez novice, juste pour l'histoire, et quand même passer un bon moment, et après au fur et à mesure des lectures approfondir son interprétation et essayer d'accéder à des niveaux de lecture différents. Mais voilà, c'est pas parce que vous allez pas pouvoir écrire une thèse sur tel ou tel classique dès la première lecture que ça vaut pas la peine de le lire et que vous méritez pas de lire ce classique qui vous fait envie. Voilà, donc il faut vraiment se décomplexer par rapport à la lecture des classiques et juste se plonger dedans et voilà, se faire plaisir. Et justement, mon deuxième conseil, c'est de trouver un moyen de rendre l'expérience de lecture plus fun et de l'envisager sous un angle un peu plus divertissant et un angle un peu moins intimidant. Alors, ce que vous pouvez vous dire, moi j'aime bien cet aspect-là de la lecture des classiques, c'est qu'en fait, c'est des recueils de citations Pinterest. Et voilà, donc vous pouvez vous dire que vous allez essayer de retenir un maximum de citations de ce livre, ou que vous allez pouvoir en faire des stories Insta, ou je sais pas, un petit recueil dans un cahier de citations chouettes, belles et qui vous parlent et qui résonnent avec vous. Une manière de rendre aussi la lecture de classiques un peu plus fun, ce serait de tenir un journal de lecture. Moi j'en ai un chez mes parents et j'en ai un autre ici parce qu'il est quasiment rempli, celui que j'ai chez mes parents. Donc ça c'est mon journal de lecture ici. J'essaye de le rendre un peu plus créatif en imprimant des images qui ont un rapport avec le livre que je suis en train de lire. Ça c'est ma page sur Antigone. Et vous voyez, j'ai mis des citations sur la tragédie. Là j'ai une citation de Malraux, j'ai mis une image de Sophocle, j'ai mis la couverture de l'Antigone d'Anouilh, même si ça c'est l'Antigone de Sophocle. Et voilà, un tableau d'Antigone qui pleure sur le corps de Polynice, etc. Et je trouve que c'est un moyen de s'approprier les livres qui permet aussi de décomplexer la lecture, c'est-à-dire que ce livre qui nous impressionne parce qu'il a traversé les âges et que tellement de personnes l'ont lu et que c'est presque un prérequis social d'avoir lu tel ou tel livre, bah en fait, au lieu de voir ça comme quelque chose d'extérieur à nous et auquel on peut pas nous-mêmes accéder, le livre devient une partie de nous-mêmes et on se l'approprie et il devient quelque chose à nous en fait, de personnel. Donc ça permet vraiment de tisser un lien avec les classiques et de nouer une relation avec les classiques qui est beaucoup plus personnelle. Donc voilà, faire un petit journal de lecture, ça peut permettre de s'approprier la lecture des classiques et d'aussi de s'amuser avec tout ce qu'il y a autour de ce livre. Donc si vous pouvez rajouter là-dedans des poèmes en rapport avec vos propres pensées, vos propres création inspirée des livres que vous avez lus, ou bien juste comme moi, imprimer des images qui sont en rapport avec, avec le livre en question. Donc voilà, rendre la lecture plus fun et vous approprier ce que vous lisez, ça vous permettra vraiment de vous décomplexer et de, voilà, de nouer un lien avec les classiques qui est pas juste intellectuel et qui est vraiment très personnel, et ça vous donnera de plus en plus envie d'en lire et de vous nourrir de ce qu'ils contiennent. Mon conseil suivant, c'est de vous familiariser avant votre première lecture avec l'histoire qui est racontée dans le livre. Je vous conseille soit de regarder une version cinématographique de ce livre ou une série. Si vous avez envie de lire Hamlet mais que vous avez peur de rien comprendre à l'histoire, bah regardez Le Roi Lion. Si vous avez envie de lire Le Portrait de Dorian Gray par exemple, il y a un film de 2000...
2012, je crois, avec Ben Barnes. Moi, j'ai pas de crush sur Ben Barnes, mais je sais que beaucoup de gens en ont un. Oh, le film Emma aussi. J'avais dit dans une vidéo précédente que j'avais pas aimé Emma et j'avais dû regarder le film pour finir justement l'histoire, pour me motiver à finir le livre, parce que au bout de la moitié j'étais oh, je vais jamais le finir. Donc j'ai regardé le film pour avoir un regard différent sur cette œuvre. Le film de 2020 avec Anya Taylor-Joy, elle est juste magique cette actrice, et il était vraiment chouette. Je vous le recommande si jamais vous voulez voir un film inspiré d'un livre de Jane Austen. Donc je vous conseille soit de regarder un film, une série inspirée du livre que vous devez lire, ou bien de lire tout simplement le résumé de l'intrigue sur Wikipédia. Ça peut vraiment juste vous décoincer en fait et vous permettre d'entrer dans le roman de manière plus sereine, ou dans la pièce ou dans le recueil de poésie, même si c'est rare que des recueils de poésie soient adapté au cinéma. Je sais même pas si ça a été fait en fait, faudrait que je trouve un exemple. Ça vous permettra d'entrer dans le livre de manière plus sereine, parce que du coup vous connaissez déjà l'histoire. Alors mon conseil suivant est lié à la nature des classiques par lesquels je vous conseille de commencer. Si vous avez jamais ouvert un classique, je vous conseille de commencer par les classiques jeunesse et ou par des classiques courts. Donc pourquoi les classiques jeunesse? Ben tout simplement parce que c'est des histoires aussi souvent qu'on connaît déjà, je sais pas, par exemple Le Magicien d'Oz ou Poil de Carotte, qui sont écrits souvent dans un style plus simple parce qu'ils sont destinés à un public plus jeune. Si vraiment vous craignez de ne pas vous sentir capable de lire des classiques plus complexes, je sais pas, par exemple Les Illuminations de Rimbaud, moi ça me fait toujours peur, je l'ai toujours pas ouvert parce que je suis sûre que je vais pas comprendre au premier coup. Rimbaud, c'est vraiment un auteur, moi, pour le coup, qui me fait très très peur. Mais lire, je sais pas, Les Quatre Filles du Docteur March ou Sans Famille d'Hector Malo, c'est tout à fait accessible et c'est juste génial. Sans Famille, c'est un de mes livres préférés depuis très très longtemps. Si vous voulez aussi, vous pouvez commencer par lire des classiques plutôt courts. Ça peut aussi vous décoincer et vous permettre de vous rendre compte que vous êtes capable d'en finir hein. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui peut faire peur, se dire oh purée, ce livre, je le finirai jamais, c'est même pas la peine que je le commence. Ce que je vous conseille le plus, c'est de lire des pièces de théâtre parce que c'est censé durer le temps que c'est joué, donc une pièce de Molière ça prend pas plus de 2 heures à lire normalement, c'est le temps que la pièce dure. Donc voilà, et souvent c'est très divertissant parce qu'on est face à du dialogue et aussi ça stimule beaucoup beaucoup l'imagination, donc on a une expérience de lecture très agréable quand on lit du théâtre, je trouve. Vous pouvez aussi lire du théâtre de l'absurde, Ionesco et tout ça, il n'y a pas de vocabulaire difficile. Quasiment dans Ionesco, c'est des phrases souvent courtes et c'est vraiment aussi très très divertissant, très amusant à lire. Donc lisez des pièces de théâtre, ou bien si vous voulez plutôt vous diriger vers du récit que vers du théâtre, commencez par lire des récits courts, des nouvelles par exemple. Maupassant a écrit des tas de nouvelles qui sont chouettes. Voilà, les nouvelles, c'est aussi une bonne porte d'entrée dans les classiques. Parce que justement on arrive facilement à les finir et souvent c'est aussi très divertissant parce que vu que le format est plus restreint, il y a beaucoup plus de choses qui se passent en un temps plus limité. Alors mon dernier conseil, c'est le plus important, et c'est de lire des classiques que vous avez vraiment envie de lire. Si vous êtes motivé personnellement à lire tel ou tel livre, vous avez beaucoup plus de chances d'y arriver et d'aller jusqu'au bout de cette lecture, même si elle peut être un peu difficile. Lire des livres qui vous font envie, ça vous aidera aussi à combattre l'idée que lire des classiques c'est barbant, que c'est des livres qui n'ont plus aucune actualité, toutes ces choses qu'on peut entendre et qui sont assez fausse, parce que on peut avoir une relation personnelle profonde à un livre qui a été écrit il y a 200, 300, 2000 ans, 1500 ans. Voilà, moi un de mes livres préférés c'est l'Iliade et il a été écrit il y a des milliers d'années. J'exagère un peu, des siècles, moins 800 à peu près, l'écriture de l'Iliade. Moi c'est une des choses que je préfère avec les classiques, c'est de découvrir la manière dont un livre qui a été écrit il y a tellement longtemps va moi me toucher, une lectrice du 21e siècle, et comment un livre qui est tellement différent de moi et qui a été écrit par des auteurs qui sont parfois tellement différents de moi vont réussir à me toucher, à me parler, ou justement pas. Et quelle réaction je vais avoir à ces classiques, à ces livres, qu'est-ce qu'ils vont m'inspirer. Lire des classiques, c'est pas juste un devoir, c'est quelque chose qu'on peut faire pour le plaisir, pour découvrir une part de nous en tant que lecteur, mais aussi en tant qu'être humain, qu'on ne soupçonnait pas, et de se connecter un peu à notre propre histoire. Je vous invite à toucher à tout. Lisez pour vous, trouver une raison personnelle qui vous inspire à lire des classiques. Si vraiment il y a un classique que vous êtes en train de lire et que vous détestez, ne le finissez pas, c'est pas grave. Mais si vous avez envie de le finir, bah essayez de vous rappeler ces raisons pour lesquelles vous lisez les classiques et ça va vous tout de suite vous remotiver. Je vais finir cette vidéo avec mon top 5 des livres que vous pouvez lire pour commencer à entrer dans les classiques.
C'est des livres assez simples, à l'intrigue intéressante. Enfin, d'après moi, je conçois qu'on n'ait pas les mêmes goûts que moi. Le premier que je vous conseille, je sais pas s'il peut être considéré comme un classique. Moi, je pense que cette autrice va rentrer dans les auteurs classiques du 20e, 21e siècle. Donc je vous le conseille. J'ai lu ce livre quand j'avais 16 ans et je l'ai dévoré en une nuit. J'étais chez ma grand-mère et j'ai passé la soirée à le lire jusqu'à 3h du matin parce que j'arrivais pas à le lâcher. Ce livre, c'est Noé et moi de Delphine de Vigan. Voilà, donc l'histoire rapidement. Je me rappelle plus très bien parce que ça fait quand même un moment. Mais on suit une jeune fille, donc c'est le moi du titre, qui est la narratrice, et qui rencontre No, qui est une jeune fille un peu plus âgée, il me semble, qui vient de milieu défavorisé, et elle noue une amitié hors du commun, et c'est vraiment un très beau livre. Le deuxième livre que je vous conseille, c'est une pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre dont on connaît un peu tous l'intrigue, mais qui a été réécrite au 20e siècle. C'est l'Antigone d'Anouilh, donc j'en parlais quand je vous ai montré mon journal de lecture. Le texte de cette pièce est vraiment simple, il y a peu de vocabulaire complexe. C'est un peu une version minimaliste d'Antigone, mais les émotions sont là. J'ai pleuré la première fois que je l'ai lu. C'est pas du tout la même expérience que de lire la pièce antique, mais c'est vraiment très très chouette et ça colle assez bien à l'histoire. Antigone devient vraiment la figure féministe qu'elle a toujours été, même avant que le féminisme existe, et c'est une vraiment belle pièce. Pour ceux qui connaîtraient pas l'intrigue d'Antigone, en fait Antigone, c'est la fille d'Œdipe, vous savez, le personnage mythologique qui a résolu l'énigme du sphinx, qui a tué son père, épousé sa mère. Bref, donc Antigone, c'est la fille d'Œdipe, et ses deux frères, Éthéocle et Polynice, se sont entretués à la mort de leur père pour le trône de la ville de Thèbes. Et donc celui qui s'est battu du côté de Thèbes a eu le droit à l'honneur d'être enterré, et celui qui s'est battu contre Thèbes est condamné à être dévoré par les vautours, etc. On n'enterre pas son corps, ce qui est vraiment très sacrilège dans le monde grec antique. Et donc Antigone va se battre pour que ses deux frères aient le droit aux mêmes honneurs, même si Créon, l'oncle d'Antigone, donc le frère d'Œdipe qui a repris le trône de la cité suite à la mort des deux frères, a décrété que quiconque tenterait d'enterrer Polynice serait exécuté. Donc voilà, Antigone va commettre cet acte qui va la condamner à mort. Je vais essayer de pas trop en dire, mais j'aime vraiment vraiment cette histoire, j'aime vraiment cette pièce. Donc voilà, je vous la recommande, elle est assez simple à lire. Vraiment, la version d'Anouilh est super simple à lire, donc voilà. Ça, c'est mon deuxième choix. Ensuite, si vous voulez lire un roman un peu plus ancien, je vous recommande un roman réaliste de Zola, qui est Thérèse Raquin. Thérèse Raquin, c'est pas juste un livre intéressant pour les gens qui étudient le réalisme, c'est aussi une super histoire. C'est un peu du crime, c'est un peu un roman érotique et romantique, surtout érotique quand même. Et féministe et tragique, et il y a tout dans ce roman en fait. Il est vraiment chouette. Je suis pas une fan inconditionnelle de Zola ou de Balzac ou des réalistes, mais pour le coup Thérèse Raquin, c'est vraiment chouette. Donc on suit ce personnage de Thérèse qui est mariée à un jeune homme pas très vif, pas très beau, pas très intelligent, pas très intéressant, pas très riche. Elle n'est pas du tout amoureuse de lui. Et un jour, son cousin, je sais plus si c'est son mari Camille ou si c'est Laurent qui est son cousin, mais bon, il y a un homme qui entre dans sa vie et qui s'appelle Laurent et qui la drague ouvertement devant tout le monde. Et qui en fait va lui faire découvrir que les relations amoureuses, passionnelles, ça existe, que le plaisir sexuel, ça existe. Et donc, pour pouvoir vivre leur histoire, ils vont commettre un crime. Voilà, je sais pas si je l'ai très bien résumé, mais voilà, c'est un roman très bien, qui est très palpitant et qui finit de manière incroyable. Donc je vous le recommande vraiment. Et c'est pas trop dur à lire, il est pas très long. Et il existe un film aussi que vous pouvez regarder avec Elisabeth Olsen dans le rôle de Thérèse Raquin. Donc voilà, et qui est assez bien. Ensuite, pour pouvoir commencer à vous construire une petite culture littéraire qui va vous permettre de repérer les phénomènes d'intertextualité, je vous conseille de lire des extraits simplifiés, par exemple,
d'œuvres vraiment importantes comme l'Iliade, l'Odyssée, la Bible. Il existe pour l'Iliade et l'Odyssée des éditions type édition collège où en gros on nous présente que quelques chapitres importants, quelques épisodes importants qui sont souvent mentionnés dans la littérature et qui sont traduits et simplifiés pour être accessibles à des collégiens. Et franchement, pour commencer à prendre connaissance de ces épopées qui constituent la base de la littérature occidentale, c'est un très bon moyen en fait, c'est un très bon vecteur pour commencer à se familiariser avec ces œuvres qui ont vraiment fondé les bases de notre littérature occidentale. Et puis les derniers livres que je vous recommande, c'est les livres de Jules Verne, parce que ils rentrent un peu dans toutes les catégories dont j'ai parlé précédemment, et en fait ils permettent de synthétiser tous les conseils que je vous ai donnés, parce que c'est une littérature qui peut être destinée à un public jeune. Il y a plein de niveaux de lecture en fait de ces livres, et ils peuvent être lus à un niveau de lecture collège, à un niveau de lecture lycée, à un niveau de lecture post-bac. C'est des romans de science-fiction, donc ils sont très divertissants, c'est très bien écrit. Parfois c'est un peu long, vous pouvez skipper quelques passages si jamais il y a des passages ennuyeux. Le style n'est pas très compliqué, il y en a plein, donc vous pouvez les binger si vous aimez bien ça. Et voilà, c'est aussi des livres qui font référence à beaucoup de mythologie, à beaucoup de culture dans le monde. Je sais pas, par exemple, Le Rayon Vert, c'est un roman de Jules Verne qui est pas très connu, mais qui se passe en Écosse et qui parle de mythologie écossaise. Donc voilà, il y a des choses très intéressantes chez Jules Verne, c'est facile à lire, c'est agréable. Il y a des belles éditions avec plein d'illustrations pour pas cher sur le marché. Donc voilà, Jules Verne, c'est toujours une base stable sur laquelle on peut fonder son amour des classiques. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a apporté des réponses. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, ça me fera trop plaisir d'y répondre. J'espère que ces vidéos vous seront utiles. Dites-moi aussi par quels auteurs vous voulez que je commence. Je pense faire, après cette introduction générale, une vidéo sur comment lire du théâtre, comment lire du roman, comment lire de la poésie. Et après ces introductions par genre littéraire, je vous ferai des fiches auteurs en fait. Je vous donnerai des clés de lecture pour entrer dans l'œuvre de tel ou tel auteur, qui seront pas juste des conseils de lecture, mais vraiment des clés de lecture, des thèmes souvent abordés chez tel ou tel auteur, comment vous habituer à son style, ce genre de choses. Je vais peut-être commencer, une fois que j'aurai fini les introductions, par les auteurs au bac, si vous voulez. On peut faire ça s'il y a des lycéens qui regardent et si ça vous intéresse. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de dimanche, une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner avant de partir et à liker la vidéo. Si elle vous a plu, ça aide beaucoup ma chaîne et ça me fait plaisir. Voilà, allez, à la semaine prochaine.